Et ouais que Lyon souffrit en pile en première mi-temps. Un match côté que équipe Dijon hein, posait pas mal de questions ensemble avec équipe Lyon hein. D'ailleurs, c'est pour la première fois oui pendant saison ça pour une équipe oser mener 1-0 et ceci quel but, son super but qui presque fait à 40-50 mètres de camp, il y a un lob que gardien est mal interprété et puis boum, c'est goal là. Donc c'est comme ça match a terminé, Dijon te mené 1-0, mais vraiment un bel goal. Vraiment un bel goal, son lob que Jose l'a fait dans mi temps terrain, pas dans mi temps terrain, mais donc qui lobe gardien nan, son bail tête chargé. Nous ouais que Lyon t'est encaissé vraiment très tôt dans le match. Mais yo joué, yo joué, yo joué, yo joué. Mais je goal je dis, c'est vraiment deux goals je dis, c'est vraiment des erreurs de gardienne, des erreurs de gardienne. Premier goal là, c'est déjà une mauvaise appréciation de gardien bio, donc son faute de main, parce que l'homme blanc, on a l'impression que il râle les et puis ballon surprenant, et puis il prend le goal là. Et puis deuxième bad là, c'est son bac qui fait lui, après que tu gagnes en action en surface, le ballon saute, et puis son bac met ton deux pieds, donc deux la sept là, gardien n'a pas le ballon. Gardien n'a pas le ballon qui vient faire que Lyon est égalisé dans le match. Alors, Melchidael Givornet, vraiment, il n'a pas touché vraiment un peu le ballon. Vraiment, il n'a pas touché. Il n'a pas que moi dans le jeu, il faut qu'on y aille, il est de se monter trop. On a l'impression que il est allé avant le jeu là, qui vient faire que il n'a pas sollicité vraiment dans le match tout le temps. Donc, mais comme si, pour lui rappeler que j'en ai qu'on jouait. Et tourner jouer dans la façon qu'il te compte jouer. Mais Jose là en soi il fait pas mal de belles pas mal de belles interventions dans le match là. Et puis c'est comme ça bon bah, nos statistiques match là, qui genre statistiques là gagné Lyon en termes de tirs qui fait 17 tirs dans le match là. Lyon fait 17 tirs et Dijon fait seulement deux tirs. Dans deux tirs, il y a Lyon qui goal. Dans 17 tirs, Lyon a Lyon qui cadré. Alors, il y a 6 qui cadré. Dans 17 tirs que Lyon fait, il y a 6 qui cadré. Et puis, Dijon fait un seul qui cadré. Et c'est lui-même qui goal là, dans deux salles fait. Maintenant, possession de balle. Possession de balle là, c'est 78-22. Maman, ça sont massacre. Lyon te gagne ballon à 78%. Donc, c'est son massacre. Et puis, Dijon te gagne à 22%. À 22%. À 22%. Gagne bon côté Lyon, gagne 346 passes qui fait. Lyon fait 346 passes dans le match-là. Gagne Dijon qui fait 106 passes. 106 passes. Jusqu'à présent, nous voyons que c'était une équipe que Lyon te. C'était un match que Lyon t'est vraiment maîtrisé. T'est vraiment maîtrisé. Ok? Gagné 346 parce que Lyon fait. Gagné 88% qui réussit la dernière. Donc, 88% qui précise avec précision. Et puis, beaucoup de Dijon. Gagné 48% qui avec précision. Bon côté Lyon gagne 4 fautes qui fait, donc il fait plus chose dans le match là. Dijon gagne 2 fautes qui fait. Pas de carton jaune, pas de carton rouge. Lyon hors jeu 9 fois. Lyon hors jeu 9 fois dans le match si là. Lyon hors jeu 9 fois dans le match si là. Non, ça qui gagne ouais, ensemble avec un fort match là, c'est. À la 25e minute de jeu, Maria Diaz qui inscrit premier goal là. Donc Maria Diaz, c'est au milieu de terrain, c'est numéro 7 à la 25e minute de jeu
qui marquait premier goal là, donc c'était un lob, mais vraiment super but. Moi, c'est ce goal ça, pas une meilleure goal qui gagne dans le championnat. Bon, gagne cap venir toujours, mais je dis une meilleure goal. Et puis, à la 34e minute de jeu, Lyon vient égaliser, donc son goal aussi dans deux en surface, à son faute de main encore de gardien là. Alisson Bat, qui met en deux pieds son défenseuse qui fête le 7 octobre 2003. Donc, c'est comme ça, situation, t'es jeudi. C'est un super match, mais vraiment un super match. Moi, pensais que nous sommes gardés là. C'est vraiment un super match. Donc, statistique, c'est ça. C'est ça que statistique, bah, nous là. Je regarde qui note, je vais jouer. Nous allons regarder qui note, qui vais jouer. Au commencement match là, il faut qu'on baille une note pour une note qui tombe, pour une note qui tombe pour Josio. Donc c'est comme ça match a été, mais en soi, ce qui est intéressant nous c'est Melchi. Melchi joue match là, alors il est pas mauvais parce que il pas vraiment gagné assez ballon. Je ne sais pas que les joueurs sont toujours courir, les courir qui te ballon trop. Parce que si on met le jeu en 10, il faut être capable de prendre responsabilité pour le mener équipe là. Pour le mener équipe là. Mais en soi, c'était un super match pour Melchi. Donc, qui n'a pas vraiment gagné en pile. Qui n'a pas vraiment gagné en pile ballon que l'a touché, mais. Ça le touche, il fait le maximum ensemble avec eux. Il fait le maximum ensemble avec eux. So, c'est comme ça match là, t'es pour aujourd'hui. Hein? Moi-même, moi espérer que nous pouvons mieux toujours, que nous avons plus de bagaille toujours. Et par rapport à avec ça que nous avons là dans la deuxième mi-temps. Nous sommes pour des statistiques pour nous. Mais c'est vrai que vous quittez Melchi jouer tout match là. Parce que les beaucoup exprimer les vraiment. Mais même en gros, je suis pas satisfait. Donc, je suis pas touché un peu le ballon vraiment. Mais tout le ballon que les jeunes moyens pour le toucher, vous sentez que il est capable de faire action. Il est capable de faire un peu l'action. Maintenant, Lyon réussit jeune équipe qui posait la question. Lyon réussit. Pas mener 2-3 goals dans la première mi-temps. Hein? Donc, son équipe Dijon qui vraiment est Kerbe Lyon à gauche. Donc, nous espérons que vous pourrez réagir. Nous avons une réaction Lyon dans la deuxième mi-temps. Réaction, c'est à premièrement marquer goal et puis plus influent dans le jeu. Parce que vous gagnez possession de balle là, mais vous gagnez une possession de balle qui est stérile. Stérile en termes de peu de buts, en termes de peu d'actions concrètes. Donc, il faut qu'il aille chercher profondeur. Il faut que Melchi soit capable de rester campé derrière en tant que 10 pour lui tourner le jeu là. Parce que Melchi, je me sens moi-même, il est couru, monté trop devant. Hein? Il faut qu'il reste derrière et faire le travail qu'on fait. C'est ça. Après ça, l'équipe là, il est en forme. Alors, seule chose, je me sens qui a passé sous côté match, à côté Lyon, c'est Béchot. Et Bécho qui toujours à profonde vitesse avec précipitation. Mais donc, qui changement coach a pas le faire, nous pas connaît. Mais il est possible que, ouais, que vous montez Melchi comme ailier. Juste pour être capable de toucher plus de ballons. Parce que Melchi puisse envie rester devant. Hein, que lui vraiment rester au milieu du terrain pour la et faire et relais entre et défense là. Donc, et attaque. So c'est ça que jusqu'à présent moi ouais comme moi fait comme observation pour moi faire mes volumes ça là moi saluer faire ça moi saluer 22 monde qui branché nous on regarde qui ça qui gagne comme commentaire m'a regarder commentaire là ça va passer là YouTube pas veut me regarder commentaire non mes amis OK. Nous saluons José Henrique. Nous avons souhaité pour vous quitter Melchi jouer 20 minutes dans la deuxième mi-temps. Si
si problème il a fait changement. Bon, on nous t'a souhaité ça tout. Mais il y a un petit problème placement. Sincèrement, c'est ça va me garder là. Mais il y a vraiment un gros problème placement dans jouet là. Et parce que il est capable, faut être capable résoudre ça. La paix des montées, descendre, vouer monter, courir monter, il pas vraiment placé. Et moi par contre si c'est envie marquer goal, c'est ça me t'a dit nous. Là que joueuse la gagne des bagages qu'a dit de lui, des attaques qu'il a que lui gagne, il toujours à sur et surchauffer talent, les précipiter, donc il pas bon du tout. Donc faut lui gérer problème précipitation, hein, gérer et ça donc est capable brûler problème placement hein, parce que moi-même moi senti Melchi li vraiment a bon petit problème là dans sa gain ensemble avec question de placement vraiment problème placement hein? Faut li essayer gérer li maintenant si c'est goût li prend dans jouer devant dans jouer devant mais s'il pas gérer problème placement ça la souffrir nous saler à Aoul Kange qui m'a dit si c'est Kesnol. Non, moi pas Kesnol. Non, pas M. Junior Jean-Laurent Estriplet. Moi pas Kesnol. So, match a parlé, commencé à aller là dans moins que 5 minutes. Dans moins que 5 minutes, match a parlé commencé. Nous avons prétendu que Melchi, lui, essaye de gérer question placement. Hein? Essaye pas précipiter trop, jouer dans Jean qu'on joue. Et puis bagay yo vini naturellement tout naturellement. Eh bien, ou même qui veut le connaître comme nouvelle jodi a yo remet Melchi Dael du Borny. Trophée ça que nous redam garder dans écran nou là qui c'est trophée meilleure joueuse du mois d'octobre, pas oublier que madame au mois d'octobre là il était brillé, il était marqué 2 goals et il bail 3 passes décisives et il était très 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 décisive pour équipe Lyon. Hein? Qui permettent que après vote après toute analyse que bah pépite la meilleure chose du mois d'octobre ça c'est trophée même là de une à que ma eh bien nous allons regarder deuxième mi-temps pas oublier que ou même qui fait brancher on regarde moi bien 20 monde qui regarde moi là 4 likes mais ça met nous vide likes sur moi 20 monde 4 likes c'est vraiment c'est pas encourageant ça 20 moun 20 like. On avance nous un like. Bon, regardez combien like m'a joine là avant m'aller. J'ai 4 like. On salue chaque moun qui fait nous confiance, qui connaît que n'a porté valeur pour yo, qui pas jamais suspendre brancher channel là et qui toujours remettre de la parler. Nous content que vous fait partie de abonnés nous yo et n'a dit que ou chaque moun qui là qui fait partie des abonnés qui abonné déjà ou son monde spécial. C'est ça que nous fait le maximum possible pour nous porter des valeurs pour vous, les affaires live, nous, yo. Si vous pouvez abonner, nous invitons à faire ça. Et si vous abonnez, vous pouvez cliquer sur la cloche de notification. C'est le moment opportun de le faire parce que si vous ne faites pas ça, vous allez rater les lives vidéo et aussi les live. Pas oublier, après mi-temps, je vais tourner live encore pour faire même petit bagage là, bah nos statistiques, yo. Bah nos performances et aussi ma côté pour nous ça donc t'es capable briller notes pour chaque joueuse. À tout à l'heure tout le monde, au revoir.